All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Nous allons continuer maintenant avec la déclaration de clôture de le représentant légal de commun de victimes. Madame Masida, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, Monsieur Laurent Gbagbo est soupçonné d'être co-auteur indirect de 4 chefs de crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis pendant les violences post-électorales de 2010-2011. Le refus de M. Gbagbo de reconnaître la victoire électorale de son rival, Alassane Ouattara, et de quitter son poste après 10 ans au pouvoir a plongé la Côte d'Ivoire dans une violente crise longue de 6 mois qui coûta la vie à près de 3000 personnes, indépendamment de leurs préférences politiques. Les victimes ont entendu la défense expliquer, je cite, « C'est le président Gbagbo qui a introduit le multipartisme en Côte d'Ivoire. Son engagement pour la démocratie, c'est l'engagement de toute une vie. » Il semblerait que les événements qui nous occupent depuis 2 semaines tendent à remettre quelque peu en cause cette affirmation. Les attaques commises par les forces pro-Gbagbo entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011, dans le cadre d'un plan tel que décrit par l'accusation, revêtaient un caractère généralisé et systématique et étaient dirigées contre des communautés ethniques ou religieuses spécifiques. Des centaines d'adversaires civils ont été attaqués, pillés, blessés, victimes de viols en conséquence de cette politique. La défense a bien tenté de vous faire croire qu'un conflit armé non international se déroulait en Côte d'Ivoire depuis 2002 et jusqu'au 8 mai 2011, et qu'ainsi, il y aurait d'un côté des combattants s'affrontant et de l'autre des civils. Et, qu'en tout état de cause, les rebelles sont seuls responsables des violences perpétrées à l'encontre des civils, appuyés par la communauté internationale, la France en particulier. Mais, paradoxalement, la défense est ainsi aussi capable de démontrer que le FDS, l'armée régulière, donc, n'était pas sous le contrôle de M. Gbagbo, puisque composée également des soldats pro-Ouattara. Donc, je cite, « profondément divisés pour des raisons politiques et manquant de moyens ». Même si, lors de la même audience encore, la défense a reconnu que Blé Goudé a appelé à la conscription, soi-disant, pour canaliser les actions des gens supporteurs pro-Gbagbo. Je représenterai de l'or, des simples dommages collatéraux ou des civils utilisés comme bouclier humain par les rebelles. Gardant à l'esprit que le FDS n'avait pas d'armes et qu'en tout état de cause, le mot d'ordre, toujours selon la défense, était de se défendre, je cite, « sans armes, à main nue » ou encore de se montrer courtois envers la population et de n'user que des moyens conventionnels. Ceci expliquerait aussi l'existence d'une cache d'armes dans la résidence présidentielle. En effet, elle s'est trouvée là justement parce que M. Gbagbo ne voulait pas que ces armes soient utilisées. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, la défense vous a à maintes reprises incité à être sérieux. les victimes vous exhortent à ne pas laisser la défense les rabasser de la sorte et entendre leurs cris, comme Maître Barouin vous l'a demandé au cours de l'audience du 20 février dernier. Il vous a indiqué qu'en tant que défenseur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, aîné de père malinqué, elle savait de quoi elle parlait quand elle parle de victimes. Elle s'est félicitée, je cite, que pour la première fois, la justice pénale internationale fasse naître une lueur dans les ténèbres d'une civilisation de plus en plus violente et fait une place dans l'arène internationale à ses victimes. Quelle place, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges? Les victimes ont écouté la défense indiquer que la marche des femmes a été montée de toutes pièces, que la marche sur la RTI était une marche insurrectionnelle, que le bombardement du marché d'Abobo n'a pas eu lieu, puisque selon elle, le preuve de l'accusation serait flou, que le massacre de Yopougon, quant à lui, n'a pas eu lieu, parce qu'aucun expert militaire ou balistique n'a été appelé par l'accusation pour corroborer son dire ou analyser la plausibilité du soi-disant bombardement et les circonstances dans lesquelles il aurait eu lieu. Pour étayer ses conclusions, la défense a donné une leçon conséquente sur ce que l'accusation aurait dû faire. Pourtant, elle ne s'est jamais donné la peine d'apporter de quelconque preuve à cet égard, arguant qu'il s'agirait d'un renversement de facto de la charge de la preuve. Outre un très grand nombre d'affirmations gratuites et non étayées, la défense s'est appuyée principalement sur un livre anonyme, quand ce n'est pas sur, je cite, le journal français le mieux informé, le Canard enchaîné, selon la défense, ou des rapports d'ONG qui ne sauraient fonder la preuve de l'accusation, ce qui n'est visiblement pas réciproque, et c'est alors que, du propre aveu de la défense, les preuves anonymes ont une très faible valeur probante. Peut-être la défense aurait-elle pu lire plus attentivement les demandes de participation de mes clients, qui lui ont été transmises pour les besoins de la règle 89. Pour une fois, elle ne pourra pas invoquer une divulgation tardive. La défense y aurait sans aucun doute trouvé des éléments de réponse à ces questions, y compris qu'un nombre important de ces victimes sont des femmes. À moins que les forces nouvelles soient majoritairement composées de femmes, on comprend mal les développements de la défense sur le fait que, je cite, un certain nombre de victimes, et certainement un nombre considérable, pourraient être des militaires membres des forces nouvelles et des différentes formations rebelles qui sévissaient en Côte d'Ivoire depuis 2002 et qui étaient plus qu'actifs au moment des faits incriminés dans la présente affaire. Ad impossibilia nemo tenetur. Ce serait oublié que selon la défense, elle ne pouvait être considérée comme victime puisque les exactions supposément commises par le clan pro-Ouattara ne sont pas poursuivies. Rappelons tout de même que la défense elle-même a admis, deuxième jour de cette audience, je cite, « Il ne peut y avoir de bonnes ou de mauvaises victimes ». Incidemment, et puisque la défense encore hier a tenté de vous expliquer la signification des slogans électoraux, et pour vous montrer que des affirmations gratuites s'appuyant sur des définitions dans des dictionnaires ne peuvent pas être prises en compte, je souhaite attirer votre attention sur un discours prononcé par Simone Gbagbo le 15 janvier 2011 au cours d'un meeting de jeunes au Palais de la Culture d'Abidjan. Je cite, « Quand vous ne voulez pas qu'on dise son nom, je vous propose qu'on l'appelle le chef bandit. Et donc, quand je dirai « chef bandit », vous saurez de qui nous parlons. » Et l'ajouter. La vérité finit toujours par triompher. Et elle a encore triomphé. Le chef bandit n'a pas gagné les élections. L'ancienne première dame continuait. La nation, votre mère, vous appelle. Vous n'avez qu'une seule Côte d'Ivoire, et donc une seule mère. Aujourd'hui, le diable et ses acolytes la menacent. Vous devez la défendre contre celui qui veut la dénaturer et la prostituer par ses mensonges et son banditisme. Alassane Dramane Ouattara doit être renvoyé à Sindou, au Burkina, chez lui. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, les éléments de preuve qui vous ont été soumis démontrent clairement que les événements s'inscrivent dans la volonté de M. Gbagbo de garder le pouvoir à tout prix, y compris avec l'usage de la force létale, et que les victimes étaient bel et bien des civils. Les victimes soutiennent, à l'instar de l'accusation, que les crimes reprochés à M. Gbagbo ont été perpétrés dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé dont le but était le maintien au pouvoir du suspect à travers l'utilisation tant de moyens privés que publics. Toutes les victimes que je représente sont, je le répète, des civils, arrêtés alors qu'ils se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevés, torturés, détenus sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou des centres de détention, violés ou dont les proches ont été tués lors d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte, dans leurs maisons et propriétés. Persécutés à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Là encore, la défense a tenté de nous faire croire que M. Gbagbo n'avait aucune intention discriminatoire et que même au sein de son gouvernement, il y avait des membres d'ethnies différentes. Mon estimé confrère ivoirien nous a également expliqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas de différence entre ressortissants du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest. C'est faux. Toutes les victimes que je représente relatent les événements en tant que commis pour cibler des ethnies spécifiques. Leurs agresseurs les ont bien identifiés en tant que supporters de Ouattara ou assimilés aux supporters de Ouattara, de par leur origine, ethnie, religion, endroit de résidence. Ou, en tout cas, de par la perception que leurs agresseurs avaient de leur origine, ethnie, religion. Contrairement à ce que semble penser la défense, certaines victimes que je représente connaissent bien l'identité de leurs agresseurs, puisque, comme je l'ai déjà dit dans mes déclarations liminaires, elles vivent dans les mêmes quartiers. Ce sont leurs voisins, leurs anciens camarades de classe. Dans ce contexte, il leur est difficilement supportable que la défense se déclare meurtrie face au récit d'un témoin victime de viol, non sans préciser que les viols sont des actes, je cite, « révoltants, indignes, abominables, inqualifiables » et insistant sur le fait que, malheureusement, les viols sont légion lors de troubles à l'ordre public, puisque ceci crée, et je cite encore, « un environnement criminogène » ou de citer un rapport dans un G, ce que j'insiste ne peut pas faire l'accusation, pour relater le récit d'une victime de viol appartenant visiblement au clan pro-Ouattara. Les éléments de preuve présentés par l'accusation tout au long de cette audience montrent que les cibles étaient choisies en raison d'origine, ethnie, religion. Ils montrent également qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo a commis le crime qui lui sont imputés. Contrairement à ce que la défense affirme, les éléments de preuve présentés par l'accusation démontrent clairement que les attaques étaient généralisées, récurrentes et systématiques. Je ne m'attarderai pas, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Juge, sur les définitions juridiques et les interprétations jurisprudentielles des différents éléments des infractions qui seront amplement développés lors de nos soumissions écrites. Pour mes propos aujourd'hui, il suffit de rappeler, en ce qui concerne les attaques, qu'il s'agissait bien d'une campagne ou d'une opération dirigée contre la population civile au sens d'un comportement tel que visé par l'article 7.2a du statut. La population civile était bien la cible principale de l'attaque, menée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque. On ne peut non plus nier que l'attaque était généralisée, commise sur une grande échelle et donc massive, fréquente, menée collectivement, d'une gravité considérable et dirigée contre un grand nombre de victimes. Or, les éléments de preuve de l'accusation ont démontré qu'il y a eu de nombreuses attaques contre des civils originaires du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. L'accusation elle-même a indiqué que les 4 épisodes retenus dans son document amendé de notification de charge ne représentent que des exemples et que le nombre de victimes retenues est estimé, je cite l'accusation encore cet après-midi, à la fourchette basse. Les descriptions des événements faites par les victimes corroborent les éléments de preuve présentés par l'accusation, et notamment ce qui se référait aux attaques récurrentes contre les mosquées, aux viols perpétrés souvent sous la menace d'une arme, en brutalisant, humiliant et dégradant les victimes, parfois devant des membres de leur famille laissés impuissants. Tels actes ont eu sur les victimes un impact et des conséquences qui les touchent dans leur quotidien et à long terme. Ainsi, de nombreuses victimes souffrent encore d'humiliation et stigmatisation. Certains souffrent de blessures, de maladies consécutives aux traitements inhumains qui leur ont été infligés dans des centres de détention ou même dans les rues où ils étaient en train de manifester pacifiquement. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, c'est bien la population civile qui était visée lors de ces attaques, non les rebelles. Il ne saurait en être autrement dans le cas d'attaque au mortier d'un quartier densément peuplé, d'un marché, dans le cas d'attaque de mosquées, de répression de manifestations pacifiques, or elles étaient préalablement autorisées ou non. Il est difficilement tolérable pour les victimes d'entendre la défense expliquer que les événements dont elles ont souffert ne dépendraient que de, je cite, la criminalité ordinaire à Abidjan pendant la période post-électorale. Et, je cite encore, s'inscrivent dans le banditisme inhérent, malheureusement, à toute société dans le temps de troubles, ou pire, qu'elles n'ont même pas existé. En ce qui concerne la responsabilité du suspect et le mode de responsabilité envisagé, la responsabilité de M. Laurent Gbagbo est envisagée par l'accusation en tant que co-perpétrateur, conformément à l'article 25.3a du statut de Rome, incluant des crimes perpétrés par des personnes qu'il a utilisées dans le cadre du plan commun élaboré afin de garder le pouvoir. La coperpétration donc, comme une division fonctionnelle des tâches criminelles entre au moins 2 perpétrateurs liés par un plan commun. L'existence d'un plan commun a été démontrée par l'accusation qui a également expliqué que les forces pro-Gbagbo menaient des actions concertées et coordonnées, conscientes, la mise en œuvre du plan commun aboutirait à la commission des crimes. Les chambres de la Cour ont identifié 8 éléments définissant la portée de la responsabilité pénale individuelle sous forme de commission conjointe par intermédiaire d'une autre personne en vertu de l'article 25.3a du statut de Rome. 1. Le suspect doit faire partie d'un plan commun ou d'un accord avec une ou plusieurs personnes. 2. Le suspect et les autres coauteurs doivent apporter une contribution essentielle et coordonnée, aboutissant à la réalisation des éléments matériels du crime. 3. Le suspect doit avoir le contrôle sur l'organisation. 4. L'organisation doit bénéficier d'un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique. 5. La commission d'un crime doit être assurée par l'obéissance automatique aux ordres donnés par le suspect. 6. Le suspect doit satisfaire aux éléments subjectifs des crimes. 7. Le suspect et les autres coauteurs doivent, de manière partagée, savoir et admettre que la réalisation des éléments objectifs des crimes résultera de la mise en œuvre de leur plan commun. Et 8. Le suspect et les autres coauteurs doivent connaître les circonstances de fait qui leur permettraient d'exercer conjointement un contrôle sur les crimes. Dans la présente affaire, le procureur a démontré inter alia que le suspect donnait parfois directement des ordres au général Mbiya Bredou. Le suspect et son entourage immédiat donnaient des ordres à leurs subordonnés au sein des diverses unités des FDS et leurs ordres étaient exécutés de façon coordonnée. Le suspect donnait des instructions à Blé Goudé, ministre de la Jeunesse. Le suspect ordonnait au ministre de la Défense de recruter des soldats au sein des FDS avant et pendant les violences post-électorales. Le suspect ordonnait à ses subordonnés d'acheter des armes à l'étranger. Le suspect donnait des instructions aux commandants dans le cadre des opérations. Et enfin, il a ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre le plan commun. La théorie de la responsabilité pénale individuelle, telle qu'exposée par l'accusation, en vertu de l'article 25.3a du statut et relative à la coperpétration, a été largement étayée. Les victimes soumettent qu'au égard au fait que les autres formes de la responsabilité pénale énoncées aux articles 25.3b, 25.3c, 25.3d et 28 du statut sont subsidiaires à celles énoncées à l'article 25.3a, elles ne sauraient être examinées que si la Chambre devait décider que le suspect ne saurait être considéré comme auteur principal du crime qui lui est imputé en qualité de coauteur. Enfin, quelques mots en ce qui concerne les préjudices subis par les victimes que je représente. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont souffert de dommages moraux, de dommages matériels, du fait d'avoir subi des violences sexuelles, physiques, des actes de torture et d'atteinte à leur dignité, du fait de la mort de leurs proches et d'avoir été témoins des attaques et des massacres, du fait d'avoir perdu leurs moyens de subsistance et leurs ressources, bien que le crime de pillage ne rentre pas dans les charges retenues par l'accusation. En conclusion, l'accusation a démontré qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que M. Laurent Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés, atteignant le seuil probatoire exigé à ce stade de la procédure, conformément à l'article 61.5 du statut de Rome. En particulier, il y a des éléments suffisants de croire que M. Laurent Gbagbo a mis en œuvre un plan commun avec l'aide de son entourage immédiat ainsi que de forces armées afin de garder le pouvoir à tout prix. M. Laurent Gbagbo était coauteur des crimes consistant à attaquer son adversaire ainsi que ceux qui le soutenaient ou lui étaient assimilés de par leur origine, nationalité ou religion. M. Laurent Gbagbo avait connaissance du caractère systématique et généralisé des attaques perpétrées qui ciblaient la population civile en raison de leur appartenance ethnique, Djula, Mossi, Senoufo, Baoulé, religieuse, musulmans, ou de leur nationalité, citoyens d'États de l'Ouest africain tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Que lors des attaques, des violations massives ont été commises, et notamment des viols, des meurtres, des actes inhumains. Que les dits événements s'inscrivaient dans le crime de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux, commis contre un grand nombre de victimes. Tous ces faits ont été démontrés par l'accusation avec des éléments qui sont suffisants au stade de la confirmation des charges pour permettre à la Chambre préliminaire de statuer que les charges alléguées à l'encontre de M. Laurent Gbagbo doivent toutes être confirmées et que ce dernier devrait être renvoyé en jugement. Finalement, bien que le préjudice dont les victimes ont souffert et souffrent encore aujourd'hui n'ont pas été traités au cours de cette audience, l'expression de leur voix à travers leur participation dans cette procédure constitue, je l'espère, une manière d'adresser ces préjudices. Je vous remercie.